Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour le redémarrage d'une 125 CR de 1986 que je viens d'acheter. Donc voilà, j'ai acheté cette moto à un ami d'un ami, pas très cher, 700 €. Donc c'est une bécane qui a pas beaucoup tourné dans sa vie. Et aujourd'hui, si on est là, c'est pour la refaire. Et surtout déjà pour la redémarrer. Donc ça, c'est le premier épisode. On va la redémarrer, la remettre en route. Faire le plus important. Donc je vous ferai un petit tour de la moto après. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de vidéo sur la chaîne, de vidéo avec les motos que j'ai actuellement. Donc la XT je l'ai plus, la WRZ je l'ai plus, la KTM je l'ai plus mais depuis longtemps. Et donc tout ça, ça a été remplacé. Donc maintenant j'ai une nouvelle enduro. J'ai ma routière, c'est mon scrambler que j'ai fait. Et j'ai deux nouvelles crosses. Donc la première c'est celle qui est derrière vous. Mais celle-là, elle est arrivée après une autre, et l'autre, c'est une fameuse 125 CR, pour changer, de 1988, donc 2 ans plus récente. Donc cette moto-là, 88, je suis en train de vous tourner tous les épisodes en fait, de la restauration. Donc là, j'en suis au moteur. Donc ces épisodes, ils sortiront, je pense, une fois que la moto sera quasiment terminée, pour pas faire d'épisodes tous les 6 mois, parce que j'avance pas beaucoup. Donc c'est vraiment une restauration complète on va dire. Donc là tout le reste des pièces, j'ai plus rien ici là, j'ai tout à côté, tout est démonté, le cadre est à nu. Donc vous verrez toutes ces choses, vraiment démontage complet sur mes autres vidéos. Sur cette moto aujourd'hui, on va simplement faire un redémarrage, mais quand je dis simplement, c'est pas si simple. Donc la maladie des CR125, c'est le carter, c'est un carter en magnésium. Donc le carter là, que vous voyez. Ici, normalement, il y a la pompe à eau. Et en fait, si vous voulez, l'ancien propriétaire ou l'ancien ancien, ce carter, il était mort. Donc, il a soudé ou il a mis une pâte, mais bon, ça coulait. Et il avait mis une pompe à eau externe. Mais donc, ça, c'est pas viable. Et puis, moi, même quand je l'ai acheté, là, elle tournait pas et elle a plus du tout la pompe à eau. Donc, j'ai encore la pompe à eau d'origine pour la remettre en place. Et j'ai commandé un nouveau carter. Le fameux carter, donc ceux qui connaissent les CA, ils connaissent bien ces carters. Un carter qui vient directement d'Australie, entièrement en aluminium, pour la maudite somme de allez, 360 € à peu près. Frais de port compris. Bon, je ne l'ai pas encore reçu, je vais encore certainement avoir des frais dessus pour la douane. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc si vous voulez, j'ai déjà un carter qui fait plus de la moitié du prix de la moto. Avec ça, donc aujourd'hui, je vais commencer, j'ai pas encore tout eu. Donc, mais dans cet épisode, vous verrez absolument tout, jusqu'au redémarrage, le fameux. Mais pour moi aujourd'hui, je vais commencer par démonter le carbu, parce que j'ai commandé un kit joint complet, gicleur et tout ce qu'il faut. Je vais continuer aussi par mettre les nouvelles poignées, donc ça c'est rien de fou, nouveau filtre à air. Kit de réparation de pompe à eau, donc nouveau roulement, nouveau joint et tout ça. L'huile, la base. Et là, j'ai le pot qui est en super état. Donc, pot d'origine. Il a rien du tout. Il est fatigué de la peinture ici, mais c'est rien. Et le seul pot qu'il a, c'est là. Donc, c'est vraiment rien. Le pot, il est en super état, comme tout le reste de la moto. Et là, vous avez toute la pompe à eau, avec le carter qui est en train de tremper dans du dégraissant pour essayer de sortir une vis. Et là, donc tout ce qui est pompe à eau, tac tac tac, tout est prêt à être remonté, tout est quasiment prêt à 95%. J'attends plus que le carter de pompe à eau, les nouvelles durites de refroidissement en silicone renforcé, et puis quelques vis encore de chez Honda directement, tout ce qui est vis de carter et quelques petits trucs comme ça. Donc, comme je disais, c'est une moto qui n'a pas tourné beaucoup, je pense, ça se voit. Ça se voit au cerclage. Les cerclages, ils sont vraiment en bon état. La peinture, même la peinture, elle n'est pas trop fatiguée. Là, ben, ça c'est normal, c'est les bottes. La housse de selle, elle est impeccable, sauf là. Là, c'est le seul moment, c'est le seul endroit où ça a frotté. Pareil, la jante arrière, elle est nickel. Regardez-moi ce bras oscillant. Il est nickel, il a aucun pet. C'est ouf. Vraiment, je suis hyper content. Donc quand je l'ai vu, j'ai direct sauté sur l'occasion, je l'ai acheté. Même le moteur, regardez ça, il n'y a pas de frottement là. Il n'y a pas de frottement, il n'y a rien. Alors c'est sûr, elle n'est pas hyper propre. Voilà,
C'est pour ça que j'ai racheté des joints de carbu et pour refaire tout ça propre. Mais franchement, dans l'ensemble, même tout ça là, c'est hyper clean. Je suis trop content. Mais bon, comme les nouvelles enfin, sont pas toujours bonnes, quand j'ai fait la vidange, en fait, celui quand je l'ai acheté, il avait fait un genre de sabot en dessous. Alors je me demandais pourquoi il y avait ça, et ben je m'en suis rendu compte assez vite. En fait, la vis de vidange, elle est explosée. C'est-à-dire qu'il y a le bouchon de vidange, vous voyez tout à quoi il ressemble, je pense. Le gros écrou a dévissé, et ben celui-là, je pense qu'il a dû se taper une branche, et donc il a été arraché du carter. Et il a été ressoudé, donc ça fuite pas, il n'y a pas de fuite. Mais par contre, tu peux plus ouvrir la vis, donc pour faire la vidange, c'est un peu galère. Donc voilà, ça dans la suite on verra. Soit peut-être que j'essaie de le faire ressouder par un pro, peut-être. Soit faudra changer les carters, ce qui m'embête un peu plus. Mais bon, on verra. Bon, sur ce, je vais commencer. Enfin, je vais pas vous mentir que j'ai déjà démonté une première fois vite fait déjà tout ce qui est selle et peau. Mais là, je vais commencer déjà par nettoyer cette boîte à air puisque l'intérieur il est hyper crade. Puis démonter le carburateur et puis commencer à changer les joints. Je vous reprendrai un petit peu tout à l'heure. Je vous fais une petite vue accélérée. Et puis voilà, on me dit ce que vous en pensez. Voilà pourquoi je nettoie la boîte à air, les gars, c'est une catastrophe. Je pense que vous verrez, je suis en train de gratter avec un tournevis carrément. Et c'est il y a 2 ou 3 mm de terre, de poussière, de tout ce qui a été accumulé depuis tellement d'années où elle n'a pas été nettoyée comme il faut. Donc bon, pour un redémarrage, c'est quand même mieux quoi. Filtrer à neuf ne fait pas tout. Voilà, on se retrouve. J'ai fini de nettoyer la boîte à air, ou quasiment fini. Maintenant, il faut que j'enlève un petit peu ce qui reste comme petite saleté, mais ça à la soufflette. Donc, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Hein. C'est vraiment pas comparable. Donc, c'est vraiment important. Donc, ça sert à rien de mettre un filtré à neuf si vous avez toute la boîte à air encrassée et que vous avez plein de poussière dedans. J'ai démonté donc le carbu. Et donc, c'est la suite. Maintenant, je vais commencer à nettoyer le carbu. Parce que sans le nettoyer, je vais pas faire grand-chose. Et puis après, je vais changer les joints, changer les gicleurs, changer ce que j'ai à changer. Voilà, donc je vais vous mettre en accéléré, que ça sera plus simple. Et puis, je vous reprendrai après. À plus! J'ai fini le carbu, donc ça je l'ai fini hier soir. Et en fait, si vous voulez, vu que j'ai pas encore eu les autres pièces, j'ai commencé. Je me suis dit, vas-y, je démonte. Et puis au fur et à mesure, je démonte, je nettoie. Parce qu'elle était vraiment dégueulasse, vraiment grasse partout. Donc j'ai bien dégraissé, sauf le moteur, j'ai pas encore trop nettoyé. Mais en dessous, en tout cas, c'est déjà bien mieux. Donc voilà, j'ai juste nettoyé. C'est pour ça qu'elle est vraiment, vraiment démontée. Maintenant, je vais continuer par démonter les durites parce que normalement les nouvelles elles arrivent aujourd'hui avec un peu de chance.
Et puis après, après, je vais continuer par purge de frein, remettre la chaîne que j'ai démontée pour la nettoyer, retendre la chaîne, regraisser la chaîne, revérifier tous les serrages aussi, parce qu'avant de rouler avec, ce serait mieux de vérifier les serrages, la roue avant, roue arrière, bloc moteur, bref, tout ça. Et puis après, il ne restera plus que la pompe à eau. Et voilà, j'ai su la pièce principale, donc le carter d'emmaillage tout neuf. Je l'ai su aujourd'hui. J'ai su les duits la semaine dernière encore, comme je pensais. Donc c'est impeccable. C'est juste, en fait, faut les recouper soi-même. Donc je pensais pas. Mais elles sont un peu plus grandes et faut les recouper. Donc on va commencer par démonter le carter d'emmaillage actuel. J'ai déjà démonté une fois, donc ça va être vite fait. Et après, j'attends encore ma dernière commande de chez Honda directement avec le joint spi, toutes les vis neuves et puis encore quelques bricoles comme ça. Donc, je pourrais pas finir aujourd'hui, mais je vous mets tout l'accéléré en un coup. Et puis j'espère que ça vous plaira. Et puis, j'espère que la prochaine étape, ce sera le démarrage. Bon, les gars. Je suis en train de finaliser à petit peu près le montage. Donc j'étais en train de vouloir changer mon roulement à billes. Donc le roulement à billes de pompe à eau. Et en fait c'est un roulement à billes. Pour l'enlever, il faut avoir un arrache spécial qui vient par dedans avec deux griffes qui sortent et qui l'arrache. Parce que sinon vous n'avez pas d'autre solution. Vous ne pouvez pas le sortir avec un tournevis de l'autre côté vu que l'autre côté il y a le bloc. Donc moi j'avais pas d'arrache, donc je m'en suis fabriqué un. Ça peut peut-être vous aider. Donc j'ai pris une tige filetée de 6. Donc de ce côté, elle rentre juste bien dedans. Il y a encore un petit peu de jeu. Et je l'ai limé au bout pour faire cette griffe en fait. Donc je ne sais pas si vous verrez bien. Et avec un écrou et une grosse rondelle, j'ai fait un arrêt. Et en fait, c'est un arrache à inertie. Donc vous venez taper pour donner des petits coups. Et donc, je vais pas vous mentir, j'ai essayé avant de filmer, hein, parce que j'avais essayé une autre solution qui n'avait pas marché. Et en fait, ça a marché, il a commencé à venir, donc là, je vais le finir. Vous allez comprendre à peu près la technique de l'inertie. Donc voilà, si ça peut en aider certains, voilà. Si ça peut en aider certains, je suis bien content. Et voilà, impeccable. Bon, après, il est mort, hein, bien sûr. Sinon, vous ne pouvez pas réutiliser un roulant de façon que vous sortez. Mais je suis content parce que du coup, j'ai pas besoin de m'acheter une boîte d'arrache ou d'en trouver une ou de demander à quelqu'un. Donc voilà, si jamais c'est vraiment pratique, il suffit d'y penser, il faut un petit peu réfléchir. Hier, j'ai essayé une autre technique qui n'a pas marché. Je me suis creusé la tête, puis j'ai regardé sur Internet, j'ai cherché, j'ai rien trouvé de bien. Puis j'ai réfléchi toute la journée, puis le soir je me suis dit, hop, j'essaye ça, ça coûte rien, une petite filetée de 6, ça coûte que dalle, j'en ai une de toute façon. Donc voilà, si ça peut vous aider, c'est nickel. Je continue sur le remontage de la pompe à eau, du carter, et c'est bientôt la remise en route. Ça y est, je crois que c'est le moment de la démarrer. J'ai une petite appréhension, une petite boule au ventre. Ça fait quand même quelques semaines, quelques mois que je suis dessus à chercher des pièces, à commander, à mettre tout ça en place. Et puis là, j'espère que ça va aller. Donc pour l'instant, j'ai aucune fuite. J'ai mis liquide de refroidissement, huile et puis bien sûr essence. Je crois que c'est le moment. On va essayer et puis j'espère que ça va aller. Thank you.
Ok, ça démarre. Ouh, je suis content. Ça démarre et puis pour l'instant, je vois pas de fuite. Maintenant, il faut que je sois sûr que la pompe elle marche. Donc on va la laisser continuer à tourner. Ça marche. Bon, j'ai une fuite au pot. Ça, c'est rien de grave. Mais j'ai pas de fuite de liquide de refroidissement. Les radiateurs sont chauds, donc la pompe elle tourne. Et putain, elle chante. Ah, oh, je suis trop content. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vais arriver à faire un montage assez condensé et assez bien. Parce que j'ai passé beaucoup d'heures à filmer, mais bon, pour pas forcément grand chose. Putain, je suis content. Restez actifs, restez connectés si vous voulez voir, si vous voulez la voir rouler pour de vrai. Ouais, je sais, je suis un peu chiant. Je la fais pas rouler, je vous la fais juste tourner. Prochaine vidéo, ce sera certainement sur un terrain. Donc, première fois pour moi sur un terrain. Première fois pour elle, je pense, sur un terrain aussi depuis quelques belles années. Je suis hyper content, franchement. J'ai encore plein de trucs à faire pour qu'elle roule. Mais putain, elle tourne. Et surtout, y a pas de fuite. Et puis, j'ai la pompe à eau qui marche, quoi. Donc, je suis vraiment super content. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à vous abonner ou puis à commenter si ça vous a plu. Allez, à la prochaine. Ciao.